La comédienne américaine Rebecca Ferguson a livré des prestations différentes dans la série Silo et le film Dune, deux programmes aux univers bien distincts. Mais ces deux productions ne sont finalement pas si différentes d'après l'actrice. Là où la série Silo se déroule dans une apocalypse confinée, dans laquelle les derniers survivants de l'espèce humaine se retrouvent enfermés dans une immense construction souterraine, le film de science-fiction Dune, récompensé aux Oscars, raconte l'histoire de Paul Atreides, un jeune homme surdoué contraint de se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour sauver sa famille et son peuple. Sur le petit comme le grand écran, l'actrice américaine Rebecca Ferguson y campe des rôles de premier plan, une mécanicienne surdouée dans Silo et une reine et guerrière intraitable dans Dune. Deux expériences marquantes pour l'actrice, qui salue non seulement le talent mais aussi l'humanité des équipes de tournage. Ce point commun entre Silo et Dune selon Rebecca Ferguson. D'après Rebecca Ferguson, le monde fantastique créé par le réalisateur Denis Villeneuve sur le plateau de Dune est comparable à celui de Silo. Dans une interview accordée à Collider, elle revient sur les personnages fascinants qu'elle a eu la chance d'incarner dans ces deux productions, ainsi que sur les conditions de tournage. Si les mondes transposés à l'écran sont diamétralement opposés selon elle, les plateaux sont gérés de la même manière. Vous avez une équipe, un casting, du son, des caméramans, des concepteurs lumière, des réalisateurs et des décors, et tout est à peu près pareil, explique l'actrice révélée par la mini-série The White Queen en 2013. Des plateaux de tournage extrêmement bienveillants au-delà de l'aspect purement technique, Rebecca Ferguson se souvient de la profonde humanité qui régnait en coulisses. Ce qui compte, si est-il la façon dont le film est géré. Le fait qu'il était extrêmement plaisant de tourner sur le plateau de Villeneuve, et sur celui de Silo. Cela montre bien l'humilité d'un showrunner comme Graham, Yo, et d'un réalisateur comme Denis, qui place la barre très haut en termes d'humanité sur le plateau, souligne-t-elle. Sorti en France en septembre 2021, le film Dune, l'adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert, a connu un grand succès, générant plus de 400 millions de dollars au box-office mondial. Pour ses effets spéciaux, ses décors ou encore sa bande originale, le chef-d'œuvre de science-fiction a remporté de nombreuses statuettes, s'imposant comme le film le plus gratifié lors des Oscars 2022. Article écrit en collaboration avec Cimedia. The